joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Svetlana. Joyeux anniversaire. Svetlana, voilà tout juste 32 ans que vous êtes à mon service comme chef mécanicien. Comme le temps passe. Et je vous considère presque comme mon fils. Oh. Voici un modeste présent pour vous remercier de votre loyauté. Un cadeau pour moi? Ouh! Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Oh. C'est un cochon d'Inde apprivoisé. Il s'appelle Bibiche. Et bien nourri, ça peut vivre au moins dans les 25 ans, voyez-vous? Voilà, voilà, c'est un petit joujou vivant qui vous tiendra compagnie lors de vos longues soirées d'hiver. Regarde, un frère rongeur est emprisonné. Quelle horreur! Il faut qu'on le sorte de là. Alors, paré pour l'opération Liberté pour notre frère? Il a peut-être pas de queue, mais c'est quand même un des nôtres, le pauvre. Grand minou à poil, oiseau dans la cage, comment ça se passe? Oui, le colis est prêt à enlever, c'est bon. Mais c'est quoi cette histoire du gros minou? Tu m'avais dit Jean-Pierre, normalement. T'inquiète pas, petit, t'es en sécurité avec nous. Bienvenue dans le monde libre, camarade rongeur. Moi, c'est Rasmo, et lui, c'est Rapido. Et toi, t'es libre, mon coco. Non, tu t'es trompé. Je m'appelle pas Libre, je m'appelle Bibiche. Bah, elle est où, ma cage? Il plaisante, hein, tu plaisantes. T'inquiète pas, y'a plein à manger ici, tu vois. Car quand tu es libre, tu peux faire tout ce que tu veux. La liberté, c'est de pouvoir regarder tous les feuilletons préférés. Tu es libre, libre de te lever à n'importe quelle heure, ton destin t'appartient. Et si tu veux, par exemple, le lundi, tu te brosses pas les dents. Oh, oh. Ici, c'est notre garde-manger. Tu vas pas me dire que c'est pas mieux que tes petites graines. Waouh! C'est vrai qu'il y a beaucoup à manger dans la liberté. Laisse là! Doucement, petit, trop de liberté tue la liberté. Bibiche, s'il vous plaît. Bien, comme tu as l'air de t'ennuyer, que dirais-tu d'un petit vol de la liberté en rat-board? C'est quoi, ça clignote? Ouais! C'est chouette, vas-y, plus vite! Accroche-toi! Yes!
pour faire le sport. Hey. Hey, elles sont pas drôles les roues dans la liberté. Mon bibiche, il a disparu. Ouais, Raz, ouais, j'ai une super bonne nouvelle et une mauvaise. Ouais, la bonne nouvelle, c'est que je viens de passer le mur du son. Et la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai perdu Bibiche. C'est peut-être pas une super bonne idée de lui rendre sa liberté. Parce que dans cette émission, ils expliquent que les animaux domestiques, eh ben, ils peuvent pas survivre dans la nature, il faut qu'ils restent en cage. Il fait froid. Si, un peu, je crois que je vais aller mettre une petite laine. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien, c'est ton manteau, ça te va pas du tout. C'est parce que tu ressembles à un cochon d'Inde en fait. Bon, moi je vais par là. Ok, moi je vais par là. Ouh, Bibiche, où c'est que t'es? Bibiche, réponds! Ouh, montre-toi, Bibiche! Bibiche! Eh, si c'est une blague, c'est pas très marrant, hein? Oh hein? Mon petit Bibiche! Je me suis fait tellement de soucis pour toi, mon bébé! Oh! Maman va te remettre en sécurité dans ta petite maison. Pourquoi il fait si froid? Hey! Eh ben alors on t'a cherché partout, dis donc, t'étais où, hein? Et Rapido, tu l'as vu? Il est dans la main de la grosse dame. Aïe, la grosse dame avec la salopette. Oh, oh là 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 là. Rasmo. Mais chut, mais tais-toi. Dépêche-toi, Rasmo. Me laisse pas tomber. La grosse dame a des yeux de malade. J'ai l'impression qu'elle veut me manger. Tais-toi. Bibiche, viens m'aider, il faut sauver Rapido. Il est enfermé dans ta cage, tu te rends compte? Il faut qu'on sorte de là tout de suite. Il est dans ma cage. Eh ben, ma cage, elle est bien. s'il te plaît, copain. Tu peux venir voir? Toute la vaisselle, elle est sale. Oui, et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai faim. C'est parce que tu regardes trop la télé que t'as faim, c'est pour ça. Du moment que t'arrêtes la télé, t'as plus faim. Regarde mon corps parfait, je sais de quoi je parle. Moi, je vais libérer mon super copain. Tiens mon Rapido, t'arrives mon copain. Rasmo. Bouge pas, oiseau dans la cage. Grand Minou vient te libérer. Hey, copain, ça marche pas, j'ai éteint la télé, j'ai encore faim. Arrête de tourner, viens te battre. Vite, faut pas rester là. Allons-y. Eh, les gars, je suis passé devant la grosse dame et pouf, elle a disparu. Ah oh, Rapido, Rasmo, la grosse dame. Ma chère Svetlana, voici un modeste présent en remplacement de votre regrettée Bibiche. Vu son regard, vous le gardez dans les 12 ans. Belle bête, non?
Je te jure, ma première impression, ça serait de le libérer, mais il me dit quelque chose. Je l'ai vu, il me fait peur. Mais c'est pas ta sœur ? Attends, tu rigoles, mais c'est vrai qu'il ressemble grave à ma sœur. Mais attends, je vais voir les photos, parce que je me souviens plus, j'ai pas vu depuis 2 ans. C'est elle, hein, ses yeux globuleux, je les reconnaîtrai entre 1000. Au nom de sage vert, c'est bien elle ! Oh là là, je n'aime pas les voir déprimés. Il faut faire quelque chose. Tu as raison, on ne peut pas les laisser dans cet état. J'ai une idée. Et hop, j'ai trouvé la solution là-dedans. Capitaine, capitaine, ça vous ferait plaisir que je vous lise votre horoscope chinois? Non? Si? Alors, je regarde. Vous êtes bien né en 1937, non? 1932, ça, c'est l'année du cafard, c'est pas ça. 1933, c'est le cheval. 1935, c'est le cochon. 1936, non, non, non. Oh, ça y est, c'est 1937! Mais pourquoi tu fabriques un ascenseur pour monter en haut de la cheminée? On a des ras-de-bord. Ça pollue trop. Il est temps de passer à des moyens de transport plus écologiques. Ah, c'est fou, vas-y, ça m'intéresse, continue. Oh, vas-y! Fiche-moi la paix! Ah, d'accord, la bagarre! En garde, ville maintenant! Mon tournevis! Console-toi! De toute façon, ça sert à rien, puis il est plus joli comme ça! Bah, vas-y, amuse-toi, j'en ai plein d'autres! Il faut que je lui donne un petit coup de main quand même! Hé, hey, rapido! Qu'est-ce que t'as fait? T'inquiète, ça, c'est juste la rapido catch! Vous êtes né l'année du rat! Le rat possède une intelligence et un courage exemplaire. Il a l'âme d'un chef, d'un aventurier. C'est exactement vous, ça, capitaine, hein? Un chef et un aventurier qui aime le fromage, en plus. Oh, oui, mais c'est mon portrait craché. Je suis un rat. Mon Dieu, je saigne du thé. Ah, c'est un rat. Écartez-vous, je vais l'exploser. Mais qu'est-ce que vous alliez faire? Bah quoi, j'allais lui agrafer les dents sur le livre. Non, 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 Bin, il faut pas faire ça. C'est mon signe astrologique chinois, vous n'allez pas écraser mon signe. Mais regardez-le, mon signe dans un lac de thé, quelle chance j'ai. Nage, mon petit bonhomme, mange. Écrasera, fais-le avant qu'il soit trop tard. Dans une minute. Cet animal sera notre nouvelle mascotte. Trop tard. Allez, viens, mon petit Rasta. Viens avec ton petit capitaine. Il va te montrer ta nouvelle cabine. Oh non! Ils ont capturé Rapido. Vite, il faut que je vole à son secours. Tu verras, mon garçon. Toi et moi, on va être les meilleurs amis du monde. Et devine quoi? Je te réserve une petite surprise. Rien que pour toi. Regarde un peu, je te laisse admirer toute nouvelle maison. Hein? Vas-y, entre, allez, fais comme chez toi. Installe-toi. Oh, c'est trop cool ici, c'est la maison de mes rêves. Mais qu'est-ce que je dis, c'est un palace. J'adore. Wow, y a même un petit nounours pour moi, pour me cajoler. Un tac tac tac. Il y a même une sonnette. Il y a même des toilettes. Et ce n'est pas tout, j'ai aussi trouvé une jolie petite camarade pour te tenir compagnie. Une rousse. Je veux faire quelques photos de ce joli petit couple. Parfait. Qu'est-ce que c'est? Venez vite, capitaine, j'ai besoin de votre aide. Ça peut pas attendre. Non, capitaine, c'est une urgence. Non, ben je vous laisse tous les deux. Mais soyez sages, je reviens tout de suite. Dans ce nom miracle. Oh, la salopette. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est Svetlana, elle a mangé trop de chili hier soir. On a un petit problème de plomberie. Les cabinets sont boussés. Encore? Courage, Rapido! Je vole à ton secours!
Il est pris au piège par une rousse. Rapido! Rapido! Il m'entend pas. Hé, hey, rapido! Non, non. T'as rien entendu, là? Mais y'a personne, t'occupe pas. T'as un regard, c'est incroyable. Rapido! Rapido! Je n'ai jamais vu une embauche aussi grosse et aussi répugnante. Hein? Saleté. Coucou, mon ratichon. Le dîner est servi. Je comprends rien, mais il me plaît. Ah, mais ne faites pas cette tête, la bénie. Ça m'a l'air délicieux. Capitaine, je n'ai pas fait 5 années d'école hôtelière pour servir des petits fours à des rongeurs infestés de vermine. Attention à ce que vous dites quand vous parlez des rongeurs. J'ai pris une douche ce matin. Mais non, je parlais de l'autre rongeur, pas de vous. C'est pour qui, ça? Et but. Bon, d'accord, je note. 4 points pour le capitaine. Benny, passez-moi les munitions. À vos marques. Ah oui, hein, c'est dingue, hein, qu'est-ce qu'on rigole ici, hein. Oui, c'est dingue. Rapido, Rapido, t'es où? Non, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? C'est horrible. Comment ils l'ont tout aplati pour en faire du papier peint, mon Dieu. Ah, les monstres. Je vais te venger, Rapido. Voici les cocktails, capitaine. Oui, lequel de vous deux va nous mâcher les pieds? On a une fuite dans la cale. C'est du lait qui crame dans le toaster. Mais alors peut-être que... Mais oui. Rapido. Tu m'entends? Rapido. Comment je me sens trop bien, là. Il m'entend pas. Si ça se trouve, il est déjà mort. Tu vas tuer, reste-moi. Il faut que j'arrive à grimper. C'est fait déjà, ça c'est bon. Oh, attends, ça manquait. Pourquoi ça? Attention, non, attends. Pourquoi ça? Embrasse-moi, Pépère, je suis là. Rase-moi, mon vieux pote, enfin je te retrouve. De quoi? J'entends rien que tu parles. Hein? Il m'entend pas? Tu es sain et sauf, je suis trop content. Moi qui pensais plus te revoir vivant. Mais qui t'a mis sous verre? Rapido, c'est... Rapido, attention derrière toi. Hein? Rapido, va-t'en vite. Cave-toi. Oh non, je peux pas voir ça. Non, mais t'es tombé de ton siège. Oh. Oscar. Tiens. Qu'est-ce que je vois là? Une deuxième petite mascotte. La famille s'agrandit. Ah, il m'a pas croqué. Bon, Raz, vu que tu débarques, je vais t'expliquer 2-3 trucs. Tu vois, je mène la vie de château depuis quelque temps. Il y a même des gens pour me servir. Mais alors, ils voulaient pas te tuer, c'est ça le truc? Et le papier peint où t'étais tout écrasé? Oh, ça? Des photocopies? Eh ouais! Il est complètement dingue de moi. Non, je vais faire des photocopies de ma nouvelle mascotte. Et on sourit quand on voit le rayon vert. Non, non, je le laissais prendre, ok. Bon, j'ai compris, il faut réduire l'image, pas l'agrandir. Allons-y. Tiens, c'est déjà beaucoup. Alors 2, c'est plus. C'était pas une bonne idée, les coups de l'horoscope. J'ai une idée dans la tête. Et voilà le succès du jour. Pour célébrer notre toute nouvelle famille. Allez manger, mes petits. Oh, comme ils sont mignons. Et quel appétit. Ah, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, capitaine. En relisant votre horoscope chinois, comme moi, je me suis rendu compte que vous n'étiez pas de l'année du rat, mais plutôt de l'année du dragon, le truc qui crache des flammes. L'année du dragon? Mais comment? Mais qu'est-ce qu'il dit? Regardez un peu, c'est ça le vermine. Vous n'êtes pas du tout comme ça.
Bah, avouez-vous, j'avais raison, je ne suis tout de même pas aussi crasseux que ces deux-là. Capitaine? Oui, quoi? Votre nouvelle mascotte? Oh, quel monstre! Et en plus, ça dévore la vermine! Vraiment? Allez, viens, mon croco, attaque! Tu l'as vu? Non. Ouais. Voyons, si je le réduis de 75%, ça devrait rentrer dans le cadre. Un jour en mer, et toujours pas de terre en vue. C'est sûrement pas le meilleur chemin pour aller à Hawaï. Un bateau! Je suis sauvé! Je suis sauvé! Oh, mais respire-moi cet air frais de la mer! Ça me rappelle le tournage de Titanic quand j'ai sauvé Kate! Rapido! T'as vu là? Il y a quelque chose qui flotte sur l'océan! C'est un... Attends, on dirait un... Mais c'est un chien-chien qui fait du stop! Un chien-chien qui fait du stop? Alors là, on aura tout vu. Attends, j'ai déjà entendu parler de chien-chien. Ces chien-chiens, ils sont horribles! Avec des poils partout, des vrais monstres! Ils dévorent des petits mammifères tout crus. C'est pas vrai! Si, c'est la vérité! Vraiment vrai! Et en plus, ils bavent! Ils pètent tout le temps quand ils marchent comme ça. Ok, n'en dis pas plus, j'ai compris. Chien, c'est pas notre genre de ramasser les clochards. Alors tu vas gentiment dégager. T'as seul derrière plein de puces qui nous barrent la route. Bon pote et moi on a d'autres chats à fouetter. Ah ça c'est vrai, on a d'autres chats à fouetter. Attention la vague. Hey, ça marche. Comme ça t'auras pris un bain. Oh non, ça fume de partout. Qu'est-ce qui se passe? Le moteur va nous lâcher. Oh. Mon casque, ma clé à molette, on va rigoler. Hé, hey, rapido! Il y a une bulldog, il a l'air de mauvais poil. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de montrer ses muscles. Attends, il est agrandé à bord! Il grimpe à la proue! On prend pas d'animaux à bord, hein! Hey, si tu me cherches, tu vas me trouver! Bouge pas! Je suis à toi dans une seconde! Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ce sable? Eh ben, je vais faire un château de sable! Mais tu réfléchis des fois. Hey, si tu veux mon avis, ton château, il est raté! Mais t'es vraiment idiot ou quoi? Y'a un bulldog, je te signale, qui vient droit sur nous! Alors je compte pas lui servir de déjeuner! Oh! Fais-moi passer des munitions! Une chaise de bureau scandinave, ça te va? C'est sympa. Attrape ça, chien baveux! Ça va te rafraîchir les yeux! Boule de bowling, ça fait super mal! Ça devrait fonctionner. Bon voyage, au revoir les chiens-chiens. Un toutou à la mer. Que fait là ce pauvre toutou au beau milieu de l'océan? Me revoilà. Il a les yeux de mon Grégor Grégorovitch. Ah, il est laid de gelé. Mes amis, je ne crois pas me tromper. Nous avons trouvé là notre nouvelle mascotte. Hé, hey, rapido! Tu veux pas lui expliquer qu'on voulait juste rigoler? Eh ben, vas-y, toi. Ah, ah, ah. Oh,
Regardez-le comme il court. Il est content, il remue la queue. Regardez, il est là. Tu joues à casse-casse? Là? Tu veux te mettre dans la boîte? Oh, je sais ce que tu veux. Oh, tu vas être bien ici. Elle est jolie, hein, ta caisse. J'ai plus qu'à attendre tranquillement que mes deux petits rats reviennent. Ça y est. Ouais, ben, il faudrait que t'aies trouvé une bonne idée cette fois. Ben, cette fois, comme d'habitude, je te ferai signaler, je suis un génie. Oui, monsieur, j'ai un plan pour rebalancer ce chien-chien à la mer. Vite fait, bien fait. Ce qu'on va faire, on va prendre l'apparence de ce satané chien-chien. J'ai vu ça dans un film, chien-chien contre les extraterrestres. Après, on fait plein de bêtises déguisant lui, comme ça ils sont dégoûtés et ils le jettent à la mer. C'est génial. Qui c'est qui a débranché ces câbles? C'est toi qui l'as touché, là? Hey, ça me donne une idée. On a qu'à l'habiller en fille et on le fait regarder des trucs débiles à la télé. N'importe quoi, allez, grimpe plein dedans. D'accord, c'est moi qui conduis. Pas question, faut le permis chien-chien violet. Waouh, c'est la première fois que je rentre dans un chien. T'as vu, c'est bien. Le plus confortable, c'est le zèbre. Va chercher. Mon bien, mon chien. Je reviens, j'ai du boulot. C'est pour qui la pâtée? Où est-ce que t'es? Oh, ça y est, te voilà. C'est pour qui la pâtée que tu n'aimes? Génial, ça marche. Opération chien-chien, phase 1, ready. Oh, je l'ai préparé rien que pour toi, pour tes yeux verts. Hein? Vilain méchant chien, c'est pas beau de jouer avec la nourriture. Regarde ça. Oh là. Je te donne à manger et toi, tu me grognes dessus. Capitaine, venez voir ce qu'elle a fait, votre mascotte. Ouais. Comment ils y croient tous à fond? La pâtée. Oh oh, le chien-chien. On est repéré. Salut mon pote, t'es nouveau par ici? Vite, il faut qu'on lui réponde un truc. Bouge pas, j'ai tout prévu, t'inquiète pas. Miaou. Mauvais bouton. Ah, mais c'est dégoûtant. Mais qu'est-ce qu'il fait vers derrière? Mais laisse, c'est la nature. De manière, j'ai renforcé l'arrière, t'inquiète. Hé, hey, toi, la politesse, tu connais, c'est ça, mon visage. C'est pas ce que tu renifles. Je déteste qu'on me renifle par derrière. Alors, voilà. Comme ça, tu fourras plus ton nez là où ça me gêne. On pourrait pas dire, tu vas le regretter. Non, tu vas le regretter. Va te moucher, ouais. Vous êtes un de beaux yeux, tu sais, je te mangerai bientôt cru. Rasmo, faut qu'on parte, allez vite, gros. Si vous lui montrez que vous avez peur, c'est fichu. Il faut faire preuve d'autorité avec l'animal. Je vous donne un exemple. Il m'a mordu la queue! Turbo réacteur enclenché direct! Arrivederci! Apprenez-lui à éviter les portes! C'est pas bien, tu as été très méchant! Tu vas devoir être puni! Tu vas pas bouger d'ici jusqu'à nouvel ordre! Allez, fais la statue! Eh ben, v'là une bonne chose de faite! On va enfin pouvoir rester tranquille sur notre bateau! Non mais il y a pleurnicheuse. Oh non, le chien-chien est tout triste. Eh ben c'est la vie. Mais on peut pas laisser un chien-chien tout triste, il est maltraité ce chien-chien. Et nous, c'est pas de la maltraitance peut-être quand monsieur veut nous bouffer? Ouais, mais il faut le libérer. Mon chien-chien, qu'est-ce que tu seras de ce chien-chien? Hein, mon chien-chien, je te détache à condition que tu me promettes de pas nous tuer, tu jures, hein? Je lève la patte droite, je jure, jurez craché. Il m'a donné sa parole de pas tuer. Ouais ben moi je vous donne ma parole de me faire oublier. Et voilà. Et t'oublie pas hein, tu m'as juré que tu me tues pas.
Monsieur Chien, tu vas occuper Monsieur Chien. Ah, bonsoir. Oui, t'as quel fille? Non, vous allez. Ah, non, arrête. Non, on met au rigolet tout à l'heure. Oh, oh. Je compte sur toi pour tenir parole, hein. J'ai fait ce que j'ai dit. Il est vivant, pour ainsi dire. Oh, je savais que je pouvais compter sur toi. Allez, à ciao, je me tire d'ici. Hasta la mitjus. Capitaine, capitaine, le chien s'est détaché. Oh, il va me manquer. Qu'est-ce qu'il était sympa, ce chien. Rapido, tu peux sortir, ça y est, il est parti. Tu m'étonnes qu'il est parti après cette raclée que je viens de lui mettre. Ouais, bien sûr, ouais, je l'ai vu, t'es méconnaissable. Eh, tu voudrais pas qu'on aille à l'avance me gérer les oreilles? Non, c'est bon, là, j'ai pas trop envie de jouer, tu vois, je me suis trop bagarré. Comme tu voudras. Bon ben, si t'as rien à faire, tu peux me retrouver devant, je me mesure les oreilles. Oh, comment j'ai jamais vu une activité aussi nulle? Bon, j'en ai marre de me battre contre les chiens, y'aurait pas une loutre dans le coin? J'ai là. Qui traite quelques kilogrammes en trop à perdre. Sale bête, rends-moi ça. Ah, oh, Razmo, je te cherchais. Comment ça va? Dis donc, t'as l'air tendu. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que je fasse courir la dinde. Ben et moi, qu'est-ce que moi? Mais qui c'est qui est pour chat? C'est Rapido? De toute façon, il y en a toujours que pour lui, c'est toujours pareil. Eh ben ouais. Tac, 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 je joue du couteau, je coupe la carotte, tac, 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 tac. Dis donc, toque blanche, je te mets au défi de m'attraper. C'est moi, Razmo, le plus rapide. J'adore couper les carottes et en plus, pour une fois, je me suis même pas fait mal. Ça va pas rapide en ce moment, je sais pas, il y a comme un... Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à faire comme si j'étais pas là? C'est incroyable, j'ai l'impression des fois que j'existe pas carrément. Rapido, tu m'écoutes? Tu me fatigues. Bon, allez, je vais me percer les points noirs. Salut. Mais même lui, il m'ignore. Mais attends, mais je suis quoi? Je suis un raté? Qui est-ce qui dit ça? Hein? Parce que, pour ce que j'en sais, nous avons tous nos qualités. Une langouste? Oh, c'est pas vrai! Aussi vrai que t'es un vainqueur. Un quoi? Tu te considères comme un minable. Si tu te comportais en vainqueur, si tu avais l'assurance d'un vainqueur, si tu te considérais comme un vainqueur, tu ne serais pas loin de convaincre la terre entière que tu es un vainqueur. Allez, réagis, ressaisis-toi et saisis ta chance, parce que tu as devant toi le professionnel de la motivation personnelle. Je me ferais motiver par une langouste? J'ai de les plus grands de ce monde et je t'aiderai. Moi, c'est Lionel. Top là, mon gars. Eh ben, tu vois, quand tu veux, je révélerai le vainqueur qui est en toi. C'est marrant, ça. Rapido, je te présente Lionel, mon motivateur personnel. Ah! Une langouste? Mais c'est génial, sors le beurre. Et ils trouvent ça drôle. Enfin, rien ne peut m'arrêter. Grâce à moi, les stars se forgent un moral et grimpent jusqu'au sommet. Eh ouais, c'est moi la star, ce coup-ci, c'est moi. Ouais, ouais, bah en tout cas, star ou pas star, moi, il m'aiderait bien s'il plongeait direct dans l'eau bouillante. Avec un type pareil comme ami. Oh, bah je comprends que t'aies des problèmes, Razmo. Non, laissons-le. Ignorons-le. Allez, viens. Nous avons du pain sur la planche. Remarque, c'est l'occasion de se faire une bonne bisque de homard avec du gratin. Cet exercice s'inspire de l'œuvre complète de Maurice Picasso. Là, les couleurs agissent sur l'état mental, renforcent le moral et le caractère. Ah bon, moi j'ai l'impression que ça me plaque les oreilles en arrière, non? J'ai l'impression. Eh ben, c'est que tu sens déjà les effets bénéfiques. Ouais, laisse-toi aller, fais-toi confiance, trouve la force qui est en toi, affirme-la. Oh.
Tu y es, Erasmo. Tu as confiance en toi. Une confiance inconditionnelle. Confiance. Eh, hey, dis donc, le crabe, hey. Attends, c'est fou tout le mal que tu te donnes pour Erasmo. Non, mais pour rien, en plus, pour gratuit. Eh, hey, dis donc là, toi, soyons clairs, qu'est-ce que tu veux dire? Mais personne s'intéresse à Erasmo, même pas moi, personne, tout le monde s'en fiche de lui. Oh, comment tu... Eh, hey, tu arrêtes de parler comme ça? Lionel, il fait que m'aider. Pour mon problème d'assurance, ok? Alors tu nous lâches, ok? C'est très très bien, c'est très bien, tu t'es pas laissé faire, hein? Tu t'es défendu tout seul, c'est très bien. Alors, comment tu te sens? Super bien, ok? C'est vraiment super. Je me sens super bien, ok? Ah, j'ai grave confiance en moi, c'est génial! Et là, je veux du café, carrément! Ou... Oh non, peut-être du thé. Non, du café... je sais plus ce que je veux. Tiens, d'habitude, le matin, tu bois du lait à la fraise. Laisse-moi tranquille! Il recommence qu'à m'énerver! Décidément, toi, tu peux pas t'en empêcher! Tu commences à sentir les effets quand même. Véhicule de patrouille à centrale, on sillonne le périmètre. Oui, bon, ben moi, je vais pas moisir ici. Force, ça finit par jouer contre moi. Par exemple, sur le tournage de Terminator, on voyait que moi. Schwarzy, le pauvre, il le vivait super mal. Surtout les scènes où je le battais. Alors les producteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de me couper. Incroyable, non? Wow. J'adore les mollusques, ça croit tout ce que je dis. Tiens. Ah, cette carapace me va ravir. Du sur-mesure, on la dirait faite pour moi. Même sans le dentier, je suis pas mal. Hein? Et dis donc, t'as de moi que tu causes, toi. Oh, je perds mon maquillage. Quoi? Qu'est-ce que c'est qui se passe par là, là? Il vaudrait mieux que t'aies une bonne explication pour ce bout de pince. Oh, ma queue. Réponds, je veux savoir qui tu es. Je suis un prisonnier qui s'est échappé. Mais maintenant, t'en sais trop. Et je vais me débarrasser de toi. Hey, Erasmo, on attaque la phase 3. Viens, viens, viens. Ce coup-ci, en plus, Rapido nous donne un petit coup de main. Tu lui tires dessus un coup de boulette pour le faire tomber de la planche. Et vise bien les yeux. Et ils mettent comme ça, gratuit, c'est bizarre, c'est pas son truc. Déjà que tu te connais pas toi-même, comment tu veux le connaître, lui? Mais s'il tombe, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il s'écrase, mais ça, c'est la technique, hein. Tu t'en occupes pas. Toi, t'essaies juste de le faire tomber. Merci, hein, Rapido, c'est super sympa. Toi aussi, quand t'auras un problème de confidence, je t'aiderai. Attention. Mais tu l'as raté. Pourquoi tu l'as raté? Essaie en y mettant la conviction nécessaire. Ouais, je vais t'éclater. Et les poubelles, c'est pour le chien! Allez, vas-y, Erasmo! Allez, mise-y tout ce que t'as dans le ventre, vise! Tiens, tiens, Lionel! C'est bon, Franck, on l'a retrouvé! C'est rien que du bonheur, non? Et vas-y, tiens, presse, vas-y, continue! Massacre-le, détruis-le! Hein? Salut, Lionel! Content de te revoir. Y'a un pote à toi qui aurait deux mots à te dire.
Franck ! Oh ben voilà une surprise ! Qu'est-ce que tu fais là, dans cette tenue ? Tu vas attraper froid, faut pas rester comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites, c'est quoi ? J'arrête ! C'est un criminel. Hein ? Rends-moi ma carapace, espèce d'escroc ! Merci ! Oh, je me sens mieux. Oh, génial ! Mais... Merci ! Mais... Oh, mais... merci ! Oh, j'avais oublié celui-là ! Arrête ton cinéma ! Sors maintenant ! T'es démasqué, Lionel ! Un mollusque ? Eh, c'est toi le mollusque ! Je suis une langouste, mais je suis né dans une coquille ! Mais je me suis fait remonter le moral par un mollusque ? Et kleptomane par-dessus le marché ! Vous êtes fait regonfler les ego par un minable qui s'assume pas lui-même ! C'est trop bon, ça ! Ah, dégoûté ! Un mollusque ? Un mollusque, des huîtres, une moule, tout ça c'est pas grave, l'essentiel c'est que tu te sois fait avoir. Mais t'es vraiment minable, se faire avoir par un fruit de mer. Eh ben ouais, fruit de mer, y a pas de honte, je suis désolé, y a les grands hommes qui sont fait soigner par des fruits de mer. Ah, le navire est envahi par des mollusques. Salut, est-ce que tu sais où on peut trouver notre ami Rapido? On s'entend trop bien avec lui. Rapido? Il a des amis mollusques? Il est même notre meilleur ami. C'est vrai? Attends, mais c'est super comme info, ça c'est incroyable. Ça veut dire que lui aussi il avait des copains mollusques. Ah. Allez, dégagez, bande de minables, on me la fait pas deux fois, moi. Attends, moi je parle pas des mollusques, hein, je suis désolé. Non mais, il va se calmer lui. Oh là là, trop fort! Viens voir ça, Rasmo, viens voir ça, il y a un type qui fait du ski nautique comme un fou! Mais c'est... Mais je le connais! Mais c'est le mec de Titanic! Ouais, c'est ça, ouais! À chaque fois que tu regardes dans ses jumelles, faut que tu vois tout Hollywood, c'est incroyable, t'es incroyable, toi! Waouh! C'est beau, l'imagination! Allez, mes petits, suivez-moi! Pour qui c'est la bonne soupe de crustacés aux algues? Miam, miam! C'est bien, continuez comme ça, mes petits. Papa Benny reviendra vous donner à manger. Moi, je trouve ça plutôt louche. Hein? À ton avis, pourquoi est-ce qu'il essaye d'engraisser ce chien? Ben, peut-être parce qu'il veut le manger, qu'est-ce que tu crois? On peut pas laisser Benny faire son hachis parmentier avec ce chien. Patience, mes amis. Rasmo va vous sortir de là. Oui, bientôt vous serez libre. Hein? Hein? Hey, c'est sur moi que vous aboyez là? Alors que je fais tout pour vous libérer, dis donc. Tu rigoles? Et pourquoi qu'on voudrait s'en aller d'abord? On est bien ici, hein? Puis c'est mieux qu'un hôtel 4 étoiles, tu trouves pas? Alors fiche le camp, hein, si tu tiens tes oreilles à ton moche pyjama. Bien, maître. C'est bizarre, j'ai l'impression que les petits chiens sont les domestiques du gros chien. Eh, viens voir ça. Le gros chien, comme tu dis, c'est Tomo le sumo, le champion international de lutte. Bulldog est une vraie vedette. Sapristi. Il faut pas que je laisse passer ma chance de faire ami-ami avec une authentique célébrité. Ouais. Excusez-moi juste une petite seconde. Est-ce que par hasard il serait possible de rencontrer votre grand homo? Et voilà, c'est reparti pour un tour, mais quel tocard. Ce serait peut-être l'occasion d'avoir enfin notre propre serviteur. Oh, depuis tout petit, j'ai toujours voulu avoir un esclave. Non mais t'es malade. Tu vas me faire le plaisir de rentrer à la maison, hein. Je suis grand, je fais ce que je veux. Et toi, hein? On veut bien te laisser entrer, mais tu laisses Tomo tranquille et tu fais tout ce qu'on te demande. Rasmo, je vais rencontrer Tomo, c'est le plus beau jour de ma vie. Je vais rencontrer Tomo, je vais rencontrer Tomo. C'est pas possible, Rapido, mais il est... Il, quoi, il... Oh. Hein? Oh, oh oui, oh, oh, oui, là, là. C'est bon, ça, hein? T'aimes
ça, c'est bon, hein, oui, hein? Oui. Oh, ne t'arrête pas, là. Oh, oui, oh, c'est bon. Vas-y, 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 les griffes, là. Stop! Rapido, tu es complètement grotesque. Et vous, vous avez pas honte d'exploiter la naïveté de mon meilleur ami? Et toi, va jouer sur l'autoroute. Ah, la honte, il sait même pas qu'on n'a pas le droit de jouer sur l'autoroute. T'as de la chance d'être plus petit que moi. Non, sans blague. Willy s'est incrusté à ta fête et a plongé dans ta piscine. Oh, et t'as dû le mettre à la porte. Eh ben, un jour, moi, j'ai réussi à mettre la pâtée à Jean Pinot. Je croyais t'avoir dit qu'il fallait pas déranger Tomo. Salut les gars, ça va comme vous voulez? Et si on mangeait un morceau? Patouche, c'est pas de la nourriture pour rat. Hé, hey, qu'est-ce qu'il y a? Il t'embête ce chien? Et il va chercher pigeon chien. Hey, c'est pas si mauvais. Et sale rongeur, dégage, je te le dirai pas deux fois. Hé, hey, toi là, tu lâches mon copain ou je te jure que ça va choper pour toi. Oups. C'est pas nous, maître. C'est les rats, maître. Bon, ça suffit maintenant. Toi, le gros, là, va falloir que tu te calmes, ok? Les manières de gros dur, moi, ça a jamais marché avec moi, ok? Alors, au contraire, si tu veux pas que je me mette très en colère, je te conseillerais d'être poli. Non, mais c'est comme ça qu'il faut mater les chiens. Tomo accepte de relever votre défi. Quoi? Non, mais j'avais pas dit de défi. Le combat commencera à midi tapante. Un défi? Mais t'es complètement malade, qu'est-ce qui t'a pris de le provoquer? Il fait au moins 500 fois ta taille. Ouais, bon, laisse tomber, je vais regarder la télé. Oui, je sais qu'est-ce que je vais faire. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas à un mariage? Tiens, gonfle-moi. Waouh, 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 waouh. Je vous présente, mesdames et messieurs, le champion du monde. Alors, petite tête, on se dégonfle? Allez, mes petits chiens-chiens, on rentre à la niche, c'est pour les grandes personnes ici. Toi, tu me fais pas peur du tout. Ah ouais? Hé, hey, toi, hein, tu fais attention, ok? Si tu me cherches, tu vas me trouver. Allez, vas-y, vas-y, rase-moi, allez, vas-y. Allez, vas-y, fais-lui comme je t'ai appris, n'oublie pas le coup dans le gauche, droite, gauche, droite, gauche. Son pépère qui se sont échappés de leur ninis. Allez, c'est l'heure de vous passer à table. Regarde, Rapido, j'avais raison, il veut manger le chien. Alors là, j'ai du steak, là j'ai du beefsteak, là j'ai du rhum steak, là j'ai de la pastèque et là j'ai... Oh. Je sais pas toi, mais moi, j'ai pas tellement envie d'assister à cette boucherie. Maître, je crois bien qu'on devrait filer comme des rats. La viande qui court a encore meilleur goût. Reviens-les. Normalement, ils ne nous voient pas. Dépêchez-vous, maître. La voie est libre. Ça va couper. À table!
jamais oublié. Maître Tomo, s'il vous plaît. Ben ah. Oh, j'ai eu chaud. Oui, surtout moi. Maintenant, c'est l'heure du combat. Ah, il arrête pas de rigoler, celui-là. Oh, à l'attaque. Combat. On dirait du latex. En fait, c'est un système d'air gastrique que j'ai inventé. Oh non, il faut à tout prix que je vole au secours de Rasmo. Qui a mis cette armoire ici? Hein, quoi? Rapido, tu peux te dégager s'il te plaît, tu me caches le soleil. Mais ça va pas ou quoi? Je suis un super héros. Je t'ai sauvé. Et regarde ma grande jambe élastique. Wouh. Bon, ça y est, je l'ai vu. Maintenant, tu dégages. Si ça c'est ma serviette, tu dégages. Hein? Tu peux me mettre un petit peu de crème, là? Hein? Non, mais t'es complètement malade, toi. Tu dégages. Bah, allez, vas-y, s'il te plaît. Juste là, un petit peu sur le nombril. Oh là là, regarde là-bas, c'est incroyable. On dirait pas Ricardo de la Tarlatozzi, l'inventeur de la spaghetti. Où ça? Ricardo Macalantozzi? Mais si, regarde mieux, l'inventeur de la tagliatelle. Oh, comment t'avais raison, là-bas, il y a plein de tagliatelles. Eh oh, Ricomandanalzotti, je vous adore, j'ai mangé toutes vos pâtes. Rapido, tu me rends dessus de ma clé 12. Mais lâche-moi, je te dis que je l'ai pas. Tu vas m'obliger à te faire mal. Il faudrait d'abord que tu me retrouves. Un dernier petit coup et ma machine sera comme neuve. C'est la pause de beignet. Ah, qui va prendre 10 kilos? Ouais, ouais, ouais. Enfin terminé ma carte du monde. J'ai réalisé mon rêve d'enfance. Capitaine! Encore ces maudites bestioles, ça commence à bien faire! Vous voulez un beignet? Maintenant, je sais ce que j'ai à faire! Comme moi, je l'ai largué! Maintenant, je te tiens, espèce de vieille crapule! Rends-moi ma clé 12 ainsi que mon tournevis cruciforme et tout de suite, sinon je t'explose! Je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler, lâche-moi, je t'ai... Ah ouais, tu vois pas ce que je... Attends, attends! C'est bientôt l'heure du castor bricoleur! Après l'émission, je veux mes outils, sinon je fais un malheur, je te massacre! Monsieur des rats, merci d'être venu si vite. J'ai un furieux problème de rongeur. Je suis là pour ça. Bon, on va aller voir ça de plus près. T'as vu, Rapido, mais qu'est-ce qu'il est fort, ce castor bricoleur. Hop. Il a quand même réussi à réparer un frigo avec une planche. Et voilà, il a rien vu du tout. Ce rongeur ne m'a pas l'air très coriace. Ça va être fastoche. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi horrible. Oui, on vous fait confiance, c'est vous le pro. Oh mais non,
c'est la copine du capitaine, c'est pas grave. Bon, où j'en étais, moi? Ah oui, il faut que je m'occupe de la surprise de Raz. Waouh, waouh, mais quel génie ce castor! Comment il peut lui venir l'idée de réparer la banane avec des clous? Bon, rapido, on en était où déjà? Hein? Mon turbo tuyau d'aspirateur, on me l'a volé, ça c'est rapido! Pas de rasement en vue? Il m'en faut encore plus. Toi, mon petit, je t'ai préparé un bon petit lit douillet. Hein? Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du fromage royal. Ah zut, réglage trop sensible. Waouh, encore un cadeau pour Rasmo. Hé hey waouh, encore du fromage. Mais c'est Noël ou quoi? Allez, vas-y, croque dedans, fais-moi plaisir. Lâche, mais lâche. Ah zut de zut, pas assez sensible. Rapido! Où est-ce que t'es, s'il te plaît? Rasmo. Vite, il faut que je cache ça. Viens dire bonjour à tonton marteau. Rapido! Qu'est-ce que ça, quoi? Bon, je vais pas te le dire mille fois. Elle est où, ma caisse à outils? Bah, c'est raté. Qui c'est, la grande aux yeux verts? Chouette, voilà son petit copain. Je vais faire d'une pierre deux coups. Eh, baisse les yeux que tu commences à m'énerver, hein. Incroyable celle-là, elle est folle cette fille ou quoi? Elle faut qu'elle se calme, hein. De toute façon, dès qu'une fille elle me croise, elle veut tout de suite m'embrasser, c'est incroyable. Mais ça, ça doit venir des oreilles, t'as des vraies oreilles de beau gosse. Je sais, c'est pas souvent qu'on me le dit, mais quand ça vient de toi. De toute façon, de toute manière, c'était pas mon genre. Parce que j'ai remarqué, elle avait quatre yeux. Oh, des jumelles? Non, c'est une machine à remonter le temps. Ah, mais oui, tu regardes à l'intérieur et tu vois l'avenir, mais c'est génial. À moins que ce soit un piège à rat. Mais oui, c'est un piège à rat, mais c'est ça. Ils se referment sur nos têtes et on est quick. Ils ne veulent pas mordre l'hameçon, mais c'est pas grave. Je vais les faire exploser. Et boum. Hein? C'est le moment d'utiliser ma super truffe à gluc. Non. Donne-moi la main. Ah, matériel d'occasion. Hasta la michu. Mais où ils sont passés? Oh là là, c'est magnifique, capitaine. Furieusement splendide. Benny, descendez voir où en est l'exterminateur. S'il vous plaît, de rien. C'est bon, vous les avez eus, là? Pas encore. Faut changer de métier, hein. Non, n'allez pas par là. Quel gâchis d'explosifs. On voit bien qu'il sait pas combien ça coûte. Des explosifs? Je ne crois pas que le capitaine soit au courant. Elle ne trouvera pas ici. Ah ouais? Et ça, qu'est-ce que c'est? Coucou, mes petits. Mais comment elle a fait? Elle a mis son œil dans un miroir. C'est l'heure de faire vos prières.
J'ai la visite pour toi. Quoi? Arrêtez tout de suite, immédiatement. Et tout de suite. Parfait, ils sont pris au piège. Vous n'avez pas dû comprendre, on n'a plus besoin de vous. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas fini mon travail. Oh si, tu as fini. Je remplis toujours mes contrats, essayez pas de me l'empêcher. Mais où est-ce que vous l'avez trouvé, sa guignole? Au syndicat des exterminateurs. Maintenant, si vous permettez, j'ai un boulot à terminer. Avec 12 tonnes de TNT, ces sales vermines ne vont pas résister longtemps. Au TNT? Parfaitement, ça va faire un joli feu d'artifice. Moi j'ai rien à voir là-dedans, je suis que cuisinier. Tout le monde sur le pont. Hein? Ensuite. Mais je sais, je vais faire exploser tout le pain. Yes. Il est temps pour toi de prendre des vacances. Tu les as bien méritées. Oui. Joli. Hein? Hé, rapido, t'as vu comment ça vole bien une femme aux yeux verts? Il avait pas les yeux verts. Mais si, il avait... Ah mais non, c'est vrai, je suis bête, il avait pas de yeux. Beaucoup plus court, j'ai pas l'habitude. C'est plus court, mais ça flotte toujours. Mais où est-ce qu'il est passé ma clé à molette? Mais c'est pas possible! J'ai un cadeau pour toi! C'est vrai? Pour moi? Ouais! Oh, ma clé 12! Oh, tous mes soutiens à moi! Ah, c'est rien, c'est quelques babioles! Je pensais que ça te ferait plaisir! Ça, tu sais? Je sais pas trop! Mais il y a du fromage dessus! C'est la plus belle surprise de toute ma vie! Eh ben, profite, c'est Bibi qui régale! Douleur! Rapido! Douleur intense. Oh là là, quelle heure il est? C'est l'heure de bientôt, l'heure du castor bricoleur. Vite, faut que j'aille préparer le popcorn. Ouais, c'est ça, vas-y, j'arrive.